nous sommes de ouvert chaque fois la vidéo du jour de même matin pour nous toujours ensemble. Donc, et nous avons un discours qui semblait. Donc, nous faut qu'on aille plus près. Ça, c'est pour la guerre. Mais c'est pas nous qui avons plus de succès dans la parole de la radio, dans la presse, dans l'opinion, nous qui nous derrière. Il faut que nous agrandissions l'équipe ça. Et ça t'explique que nous sommes dans un groupe de compromis que nous avons essayé de mettre ensemble. Nous dit il faut que nous fassions politique avec notre jeune homme. La deuxième chose, assassinat Eric, c'est pour lui clériger tout le monde, si je ne m'en clérise pas, son état pays. Il y a son pays qui a mouru chaque jour, chaque côté, chaque moment. Il mourit à travers le monde. Et on ne sait pas si c'est le monde qui rejoint qui mourit devant Union School. Il y a le cas encore. Et que tout côté, le monde a mouru par balle. Et donc, le pays a mouru à travers le monde. La mouru physiquement, la mouru. Et il a perdu personnalité, il a perdu dignité. Mais forcément que il doit créer la caïne, on réveille ou bien on éveille, pour ça qu'il est déjà éveillé, pour que nous ne quittions pas le pays à profondeur, j'en ai profondeur. Le travail nous a fait, c'est notre sens ça. Le travail n'a fait, comme dit, c'est notre sens ça. Donc, il faut que nous montrions capacité, nous, en tant qu'haïtiens, que nous quittons ensemble pour notre travail, pour que nous prenions nos décisions, non pas dans l'intérêt individuel ou clanique, mais dans l'intérêt national. Je pense que la moindre doit faire ça, pas oublier. Éric Jean-Baptiste, quand même, son héritier d'un parti politique traditionnel qui a 60 ans d'existence. Traditionnel, la bataille pour la démocratie, la bataille pour le progrès, la bataille pour la solidarité, les partis professionnalistes et François Manigat. Et la DNP, ce n'est pas un jouet que dit. Donc, on a un héritage lourd, ça, la même que la potée, pour avancer avec lui, et pour lui, les victimes, dans la condition que les victimes là, il est clair que. Bon climat de sécurité dans le pays, qui a fait ravage, qui a fait dégâts. Mais il est clair tout que Éric Jean-Baptiste est au monde qui a été visé. Parce qu'il prend toutes les précautions possibles, il a une machine blindée, il a une sécurité avec lui. Si ça arrive, c'est que son monde nous a visé à travers la capacité de l'État. Et pardon, on a parlé de compromis, de rencontres qui a fait, dans quel niveau nous y est avec Dimash ça. Ouais, nous continuons à travailler, mais comme nous avons l'habitude de nous, parce que nous avons à cause de ça qui est arrivé avec Jean-Marc, son choc lié non seulement pour chaque monde qui est présent, mais pour la famille aussi. La famille, on commence à poser des questions, sans plus de questions, pas déplacer, pas la réunion, etc. Comme quoi, gagner, il y a un sort que nous réservons à monde qui a fait politique. Pour capable de montrer que la situation n'est pas bonne, pour qu'on ait que blanc vit plus vite sans pays, etc. Tout le monde pour que nous en réflexion. Mais nous continuons à travailler quand même. Et nous croyons que c'est nécessaire pour que, non seulement parti politique, mais société civile, là, et tout le monde qui est dans notre secteur, nous ne sommes pas capables d'accepter que l'école ne va pas ouvrir dans le pays. Nous ne sommes pas accepter que le monde ne va pas déplacer dans le pays pour nos zones à long terme. Nous avons travaillé pour nous faire, nous faisons nous-mêmes. Nous avons travaillé sécurité pays à la maison, pour nous montrer volonté de sécuriser pays. Même si oui, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien dans nous pour courir le travail que nous faire. Mais nous avons besoin de montrer volonté pour nous faire. Donc nous-mêmes, bon côté pas nous, nous avons continué ce travail. Nous. Avec ceci, nous avons dit que les ici à comprendre. Avec une discipline, avec une rigueur, et qui n'est que nous pas réunis pour nous demander compromis, ni pour aller renforcer les gens qui sont au pouvoir, ni pour aller déplacer le pouvoir. Non. Nous réunis, nous avons cherché compromis historique national qui a été développé entre eux-mêmes. Et c'est peut-être pas nous croire que faut que le groupe là élargi à d'autres groupes qui ont réuni, et c'est une bonne nouvelle, que le groupe continue à réunir pour mettre les têtes ensemble pour nous. Qui nous pas capable d'élargir le PSOA, incluant là-dedans l'autre groupe de la société, professionnels, le secteur privé, société civile, syndicalistes et autres, pour que le pays soit capable d'aller dans seule voie. Haïti a besoin définitivement d'un changement de la mentalité haïtienne, de la façon de faire politique, parce que y a des gens qui pensent que c'est avec des armes de faire politique, c'est avec des groupes gangs de faire politique. Il a besoin de changer de mentalité pour nous faire business. Pour quitter le pensée que c'est d'empêcher l'autre travail et pas avec groupe de gang pour pas payer l'État ou empêcher le monde grandir beaucoup de où pour que nous construisions une nouvelle société qui bâtit sur la tolérance. Et justement, avec Romel Pierre, d'après nous qui a parlé sur la radio à Taléa, samedi à pendant une réunion avec Éric Jean-Baptiste et l'autre monde, nous avons parlé de manque de tolérance qui est dans le pays, absence de concertation qui est dans le pays. Mais ce travail, ça a essayé de faire pour nous aussi. Nous avons une image différente de ça, nous toujours à bail à l'étranger et à propre génération haïtienne par elle-même.